Hey, salut tout le monde, c'est Superboy69. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour l'épisode 3 de DC Universe Online avec un personnage qui s'appelle Red Lantern. Là va falloir aller faire la mission. Va falloir aller à la ruche, un truc comme ça. Donc c'est juste ici. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va Ici continuer du coup Superman. DC Universe Online parce Étant que ça donné m'a tout l'air ce de que tu as plus accompli, bugger. je sais que tu pourras gérer cette situation. La ruche et Queen Bee s'intéressent généralement davantage à créer des drones qu'à détourner des camions. Mais c'est pourtant ce qu'ils ont fait au métrodôme de Métropolis. Ils sont en train d'attaquer les véhicules de transport de Star Labs pour tenter de voler des stocks entiers d'Exobytes. Nous devons limiter nos pertes à tout prix. Ces Exobytes sont indispensables pour vaincre Brainiac. Donc je disais, parce que je me suis arrêté de parler comme Superman y parlait. Donc je disais, du coup on va continuer l'aventure de DC Universe Online. Parce qu'en fait tout simplement, je disais que ça avait bugué donc, dans la fin de l'épisode 2 Infamous, dans le dernier épisode quoi. Je disais que ça buguait ça, et en fait c'était tout simplement à cause de la mise à jour. En tout cas moi je buguais et en fait ça ne bug plus. Donc en fait c'est tout bon, donc on va pouvoir continuer. Donc, je vais juste aller, hop. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ça bug quand même encore un peu. Sont capables de récupérer quelques sceptres de ces piqueurs de la ruche. Ils ont plein de neurotoxines et nous devons trouver un moyen de les neutraliser. Je veux pas dire, mais on est vachement puissant quand même. Donc, écoutez bien. En plus, il y a avec le rayon que je fais, dessus ce rayon-là, bah, en fait, quand vous enlevez la vie du mec, et que vous, il vous enlevez la vie, bah, vous prenez sa vie et elle vient à vous. Donc ça, je trouve ça classe. On va juste... Il va falloir aller protéger des gens, évidemment. Voilà, ici, là. On va faire ça maintenant. Il ne faut surtout pas que ces exobytes se tombent entre les mains d'ennemis. Couvre-nous. Voilà. Aussi dans le. Oh là, il bug un peu. Ensuite, voilà. Ça bug un peu quand même, parce que c'est un petit peu au ralenti. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà. Super, nickel. Il faut qu'on emporte ces exobytes loin d'ici avant que la rue se mette à masser. Hop là. Allez hop. Juste un peu là, par exemple. Ah non, c'est bon. Je peux pas aller me battre contre lui, moi. Voilà, il y a du monde là quand même, hein. Ensuite, hop là, tout ça bug. Nous avons besoin d'aide pour récupérer ces pièces avant qu'elles ne tombent entre les mains de l'ennemi. Bonjour. Ah voilà, c'est bon.
Voilà. Ok. Bonjour à toi aussi. Au revoir. La routine, la routine. Bonjour. Au revoir. Ok, donc ça c'est ok. Et ensuite, un autre piqueur serait pas mal. Ah voilà, un piqueur. Allez! Voilà! C'est tout bon. Alors, moi, j'ai pas de piqueur, maintenant, je vais l'oublier. Je suis en train d'accéder aux dernières informations de la ruche. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent des exobytes. On va juste rappeler. Des drones sans cervelle sous l'influence de l'hypnopollen de la reine Zazala. Au fait, ne respire pas ce pollen, compris? Alors je crois qu'on a gagné de nouveaux trucs, enfin des nouvelles améliorations. Alors, moins 6 de santé, moins 3 de précision, 12 de pouvoir. Ok, bah c'est pas mal, écoutez. On va le prendre. Hop là, nickel. Super. Bah maintenant, il faut juste qu'on arrive niveau 8 pour qu'on puisse prendre ça et ça va être nickel. On sera au top du top là. Alors, tac. La ruche a transformé le métrodôme en forteresse afin de défendre les exobytes volés et de répandre son hypnopollen dans toute la ville pour contrôler les habitants. Détruit les diffuseurs et marque les conteneurs d'exobytes pour qu'ils puissent être ramassés. Star Labs se chargera du reste. Alors, oula oula, ça bug là, ils sont pas encore spawnés du coup. Pouvoir, lui il avait la tête en feu bleu. Pourquoi il a une tête de. Enfin, pourquoi il a du feu bleu sur lui, je comprends pas. La balise. Pas grave. Alors, faut continuer là. Hop là. D'accord, il y a un mec qui nous invite dans un groupe. Ok, d'accord. S'il veut, donc en fait là on se fait un ami. Super. Le mec il connaît même pas. Il sait même pas que je suis en vidéo. Hop. Nickel. Ça aussi. Nickel. Hop là. Allez, on continue. C'est différent ça. Il a l'air très sympa avec moi, donc vous savez quoi, je vais demander un ami. Regardez, on va là, on fait à proximité, Firefall, ajouter ami. Et ça y est, on a dans les amis. Attends, on fasse encore ça. Alors maintenant, faut continuer. D'accord, ok.
Oh, tu vas arrêter toi? Voilà. Encore 4 comme ça et puis c'est bon. Voilà, normalement c'est bon après ça. Tac, voilà. Maintenant faut qu'on fasse encore deux comme ça et c'est bon. Allez, celui-là et c'est bon. Ok, donc on va passer aux choses sérieuses là, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà. Oh, niveau 8. Nickel. Confirmé que j'ai. Ces piqueurs de la ruche portent une neurotoxine hypnotisante. Heureusement pour toi, on dirait que ça ne te fait rien. Super. Mauvaise nouvelle. Les drones de Queen Bee ont pris en otage les savants de LexCorp et de Star Labs dans le métronome. Nous devons libérer ces savants avant qu'elles ne les changent en drones, ce qui nous permettrait de s'approprier toutes leurs découvertes. Alors, par contre, on a gagné un nouveau pouvoir. Ça, c'est cool. Alors, on va prendre... Attends, il y a des bouts. Embroche ta cible avec une chaîne de création de lumière qui lui inflige des dégâts et l'attire vers toi alors que vous effectuez... Ok, donc on va essayer ça. Je ne sais absolument pas ce que c'est par contre. C'est quoi ça? Bon allez, c'est parti, on va aller faire la mission en bas. Hop là. T'es prêt mon pote? Oh il est gentil hein. Il m'a attendu pour faire la mission quand même hein. Il m'a attendu, il est pas parti comme ça. Ça c'est un mec gentil ça. Alors. Il est censé avoir quelqu'un ici, voilà. Mon unité était en train d'infiltrer les défenses de la ruche lorsque nous sommes tombés sur les membres des opérations spéciales de la LexCorp qui pillaient l'endroit. Ils ont commencé à nous tirer dessus et nous avons dû battre en fait. Cette somme à paix, il me flanque la trouille. Il ne s'arrête jamais. Je suis touché. J'ai des droits. Alors déjà, on va se calmer avec moi, ok. Déjà, je suis pas mon pote. Voilà. Tout le monde
sait bien que vous travaillez pour ça. Merci. Et surtout, dites bien à Monsieur Luthor que j'ai absolument besoin. Oh, je suis d'accord. Je suis avec ça. Non. Je vais se faire deux fois. Allez, c'est parti. Wouhou! Alors lui, c'est un putain de gros sac. On va s'occuper de lui direct. Il est fort notre pote aussi hein. Alors fallait libérer le technicien là. Ça fera le troisième technicien. Oula 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 oula. Excellent. D'après mes calculs, je n'avais pas plus de 2% de chance de m'en sortir. Tu as sauvé des scientifiques indispensables dans la lutte contre Brainiac. Lex, ah, il est passé niveau 8 aussi, notre pote. Nous devons tous travailler ensemble. Nous remettrons ce combat plus tard. Pour le moment, détruis le générateur électrique principal de la ruche afin d'atteindre Queen Bee et découvre ce qui se passe réellement derrière cette invasion. On est fort quand même. Hein. Enfin, je sais que j'arrête pas de le répéter, mais je trouve trop classe en fait le pouvoir Red Lantern. La police scientifique est dans la poche de Starlax. Contrôleur qui commande ici. Stop. J'ai des droits. Essayez-les. Attends-moi, copain. Et il est déjà parti, je l'avais pas vu. Ça, c'est le chapitre, tu vas dire. Montre-leur qui commande ici. Toi, espèce de Allez, on descend. Ah, attends. Il y a l'autre zigoto qui fait chaud là. Voilà. Et bon, on peut y aller. Intrus détecté. Intrus détecté. Oh merde. Déclenchement des protocoles de défense. Alertez les abeilles soldats de la ruche. Ça va être le bordel là. Et bon. Alors. Non, c'est à droite. Allez, c'est parti, faut qu'on se batte là. L'ennemi a réussi à atteindre l'esprit de la ruche. Directive prioritaire.
Apportez les exobytes à Brainiac. Apportez les exobytes à Brainiac. Apportez les exobytes à Brainiac. Yann, défendez votre règne jusqu'à la mort. Détruisez l'intrus. On va faire long feu, hein. Ça c'est moi qui le dis. Joins-toi à l'esprit. Allez, c'est parti. Allez, viens avec moi, copain. Bah, il est pas très beau le roi, hein. D'ailleurs la reine n'est pas très belle non plus. Alors, donc, compétences, vol. Hop là, on peut aller plus vite maintenant. Maintenant, on se casse de là. Hop là. Excusez-moi, je suis enrhumé, donc du coup... Regardez, on va aller beaucoup plus vite. Je partage son butin là. Attention. Attendez. D'abord, faut que. Hop. Oh, j'avais parlé à Flash. Par contre, ça bug là. Ça m'a mis niveau 999. D'accord. Bien sûr. Allez, je m'appelle Player maintenant. C'est un petit bug, mais parfois ça bug comme ça. Là, ça va revenir. Et voilà. Attention, petit boost. Maintenant, nous savons. Queen Bee est sous l'emprise de Brainiac. Il utilise ses drones pour récupérer les exobytes. J'espère qu'elle finira par le piquer. Dans le cas contraire, c'est nous qui nous en chargerons. Je reste en contact. Merci. Superman, terminé. Donc là, on a que parler à Flash, puis on s'arrêtera là. Flash, il est là. Alors maintenant, c'est toi qui vas exterminer les insectes. Bien, on retravaillera ensemble bientôt.
Oui. Et donc voilà. On a gagné des nouvelles armes. Plutôt puissant, ça m'a l'air quand même. Elle ressemble à quoi? Ah, c'est des épées carrément. Voilà, donc ça y est, bah c'est la fin de l'épisode. Hein. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.